le sombre pacte qui passe à 4 PV, le laquais qui passe à 6 cristaux, l'appel aux armes à 5, l'invocatrice à 7, la sorcière des Yandagas à 8, et le grotte des profondeurs qui passe en 4-4-4 au lieu de 5-5. Allez, here we go. Ah oui, hier on l'a joué un petit peu. Donc du coup, hop. Ici, on n'est plus en 14. On est en 13. Voilà. Allez, c'est parti. Toujours avec mon petit taunt druide. Lunara contre Maiev. Personne n'échappe à ma fureur. La forêt se défend. Alors, on est face à un voleur. Ça va pas tout de suite, ça va pas tout de suite. Hop. Le voleur se réagit relativement. Personne ne survivra. Pas mal. La lumière me protège. Alors, ok. On lancera l'appel du chêne. Qu'il me pètera pas d'un coup. La lumière me protège. Points de dégâts dans la tronche. Oh.
moins la dégager, ça provoque. Je me demande. Pour dégager ça. Bon, bah là, il va falloir faire quelque chose, hein. Un peu le dessus parce que alors. Par la puissance de Chassis. Guerrier des terres, levez-vous. Travail terminé. Pas mon acclimate au prochain tour, ça va commencer à être compliqué hein, pour ma gueule. Déjà que là c'est tendu. Halt ! Qui va là ? C'était chaud les papillons. Lunara contre Arthas. Ah, pas là-dedans. Pour l'or des rocs. La forêt se défend. Ça faisait longtemps. Hein.
survivra. Ok, paladin. Travail terminé. De la rien d'exceptionnel. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. Parlez franchement. On va bien s'amuser. Trouver son bouclier parce que sinon ça devient compliqué. On n'a pas trop le choix, pas grand chose d'autre à jouer. On n'a pas vraiment le choix. Au rapport. Quatre. C'est cher payé quand même pour une petite 1-4. Au rapport. Au rapport. Au rapport. Au rapport. Parlez franchement. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. Au rapport.
Bungo appartient aux titans. Ça, c'est... Ça sent le plus de. Pour le moment, ça va. On tient plutôt pas trop. Au rapport. Contemplez la puissance de Hurlement. Pas contre une petite Adrenox là sur le coup. Je sais pas si c'est pour aider. Bon, au prochain tour, déjà on sait ce qu'on veut. Certainement un petit Drake Primo. Quelle voie choisir? Au rapport. Ce serait bien de pouvoir faire un joli coup. Enfin, c'est que si je fais ça. Je le terminerai après avec le balayage. Au rapport. Par la puissance de Chopin. On en a besoin de notre acclimat. Au rapport. Il y a un niveau qui fait bien chier. Bon là il faut prendre un accès. Ah.
t'arrives, toi. PV, hein. S'il a une arme dans la main, ça va être compliqué. Ah. 23, il va me rester 6 PV quoi. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. Un tour de plus et j'étais mort. Bon là l'avantage c'est qu'il y a 10 PV à récupérer déjà. Que ferait Uther ? Est-ce que je peux le tuer? Non, je peux pas tuer mon truc. Par contre, ça porte l'attaque. Et se reprendre un peu d'armes. La bataille est terminée. Vous avez gagné. Et ben voilà. Grandouille, ça fait plaisir. Il est écart. Allez, petite récompense du rang 12, on va aller s'acheter un petit paquet de cartes. Là. Alors, on va voir. Bah, pas grand chose de ça. David Miguel. Allez, on est reparti. Toujours avec ce petit taunt de weed qui marche pas si mal. Surtout au vu des petits changements qui ont été faits. Généralement pour nous. Bon, pas tout de suite. On va essayer de faire plus que ça. Même si après,
si un peu de hasard décide bien. Bon, on a potentiellement tour 5 de quoi éliminer un 6. Un 6 de def avec un hurlement féroce. Histoire de piocher deux. Voilà, guerrier quête. Une arme en sortant. Une armure. Bon, rien, faite sur mesure. Un moment. Enfin, le problème, c'est que si je le joue là. On va bien s'amuser. Tant pis. On va plutôt se focaliser sur le fait d'avoir un golem en bois au prochain tour. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Prochain tour, ce sera hurlement féroce. Je pense. Ce sera théoriquement. Voilà, c'est ça.